Yo les amis, c'est Rigolo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura, va vous plaire, n'hésitez pas à dropper un like les potes, ça me ferait super plaisir. Aujourd'hui les potes, on va mettre les murs en couleur de la maison parce que les amis ils sont tous blancs et c'est pas très, voilà, le blanc c'est pas la meilleure couleur pour être chaleureux et moi j'aime bien tout ce qui est chaleureux. En tout cas j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord si vous voulez parler avec moi, j'adore parler avec vous les potes. Donc les amis, écoutez, on va tout simplement, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre du béton parce que le béton franchement il est super beau je trouve. Et en vrai qu'est-ce qu'on pourrait prendre? En vrai il y a du gris comme ça, il y a du noir, il y a plein de couleurs vraiment super qu'on pourrait prendre pour la maison. Moi franchement sincèrement je suis plus partant pour un gris comme ça. Du coup les amis, on va devoir décaler les meubles, donc on va, les potes, on va tout décaler. Tac, les plantes, on va les mettre là, ça. Le radiateur, on va devoir l'enlever. Je vais essayer de prendre une clé. Vous êtes prêts? On va essayer de l'enlever. 3, 2, 1. C'est bon, l'a enlevé. C'est bon, les potes. Donc voilà, j'ai tout décalé vraiment. Donc ça, on peut l'enlever. De toute façon, c'est plus Noël. J'ai même pas comment ça s'est retrouvé là parce que normalement Noël c'était fini. On va essayer de mettre du gris les amis, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va rendre bien, mais ça va rendre bien, ça va rendre bien c'est certain. Donc je vais essayer de passer derrière. Tac, voilà. Oh, mais en vrai c'est super beau. On va aller voir les amis. Et en vrai, ça rend bien. Les amis, en vrai les potes, ça rend trop bien du gris comme ça. Franchement, c'est pas mal. On va essayer avec le noir. Le noir comme ça, là. Tac. Non, merde, c'est pas grave. On la remettra. Je vais essayer avec le noir. Et en vrai, les potes, ça rend super bien. Parce que je pense que je vais mettre gris, je pense. Ou noir. Mais on va essayer peut-être avec le bois aussi. Et on va faire toute la maison comme ça. Donc, peut-être qu'on fera en deux parties parce qu'il y a quand même assez grand dans la maison. Donc tac, on va essayer de voir. Alors les potes, est-ce que ça rend bien? Ouah, en vrai c'est pas mal, mais en vrai je préfère le gris. Ah mais n'empêche que c'est pas mal hein. En vrai le noir, non ça va, c'est pas mal. Je pense que je vais peut-être laisser le noir parce que franchement c'est pas mal. On va laisser le noir et la maison sera un petit peu plus petite, c'est pas grave parce qu'elle était vraiment grande. Et c'est franchement, c'était assez balèze d'avoir une maison grande comme ça. Moi, je pensais laisser, en fait, c'est le mur-là, on le laisse en blanc. Et ces murs-là, on va les mettre en noir. Celui-là aussi. Et ceux-là. Ceux-là et celui-là, non. Vous allez voir, on va faire un truc trop bien, l'extincteur, on va le décaler. Ah, il va falloir décaler l'interrupteur carrément. Ok, donc c'est bon, on peut prendre, on va le mettre. On va le garder dans l'inventaire. De toute façon, là. On replacera tout, de toute façon, les potes. Donc, vous êtes prêts? Let's go, c'est parti, on va essayer de tout décorer comme ça. Franchement, j'espère que ça va rendre bien. Mais je pense que ça va rendre vraiment bien. Tac, 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 tac. Cette lumière-là, on va la prendre. Tac. Et on va venir la remettre. Bim. Tac. Ah mais du coup, ah mais oui, bah non c'est pas grave. Est-ce que ça rend bien? Et en vrai, le noir comme ça, sincèrement ça va, c'est pas mal, c'est pas moche. Mais en vrai, sincèrement, en vrai, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. On verra, peut-être qu'on va décaler après. On verra bien. La guitare là, du coup on va la mettre là. Tout sera un peu plus petit, c'est pas grave, la caméra on va l'enlever aussi. Ça aussi. Le mur. Ah, même la cuisine, c'est vrai. Oh. Eh, ça va être balèze, hein. Mais en vrai, le. Non, ça va pas être balèze. Ça va pas être balèze. On va décaler la cuisine. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va la décaler comme ça. Tac. Tac, tac, tac. Ça aussi, ça aussi. Et on peut tout retirer. Let's go. Donc franchement, merci énormément. J'ai oublié de vous le dire, désolé. Merci énormément les amis pour les 289 abos, les potes. Ça me ferait extrêmement plaisir. On arrive aux 300 abonnés. Yes. 3 fois que je devrais fêter les 100 abonnés. Mais il y en aura plus après.
Mais franchement, merci beaucoup. Franchement, tac, du coup, le mur, voilà. Et franchement, j'espère qu'on va. J'essaie. On va faire un truc beau. C'est certain. On va en faire un truc beau. Et en vrai, c'était un peu trop grand. On va pas se mentir. Comme ça, c'est mieux. Parce que c'est moins grand. Moi, j'aime pas les très, très, très grandes maisons. J'aime bien quand c'est un petit peu chaleureux, un minimum. Le radiateur, on va le mettre là. Ça, la plante, on va la mettre là aussi. Ça, on va pouvoir décaler là. Wouah, les amis, ça va être un vrai boulot, hein. Ça va être un vrai boulot. Mais après, au moins, on sera tranquille et ce sera bien chaleureux. Et peut-être que ces murs-là, on va le peindre avec ce bois-là. Je sais pas encore. On verra bien. Donc, merci énormément en tout cas les gars, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Donc on va mettre ce mur-là en couleur aussi. Celui-là aussi. Ouah. Et en vrai, je préfère comme ça, sincèrement, parce que c'est moins grand et c'est plus joli. Du coup, ce mur-là, on va aussi le décorer. Ça commence à devenir trop beau par contre, vraiment, je trouve ça magnifique. Du coup, le mur noir, tac. Tac, 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 tac. Tac, voilà. On va pouvoir mettre ça. Et je crois qu'on a fini. Je crois qu'on a fini pour cet étage-là, les potes. La chambre de Looping et Manon, peut-être qu'on va faire quelque chose. Et regardez, ils sont juste là. Ils ont des nouveaux lits que j'ai achetés hors vidéo, des croquettes et tout. Donc regardez ça. Ils sont vraiment trop mignons. Et d'ailleurs, ils ont eu leur enfant pour les nouveaux abonnés qui n'ont pas vu. Ils avaient eu un enfant il y a beaucoup de mois et tout. Et regardez, on peut même jouer avec eux maintenant. On peut même jouer avec eux. Faut que je trouve par contre. Mais on peut même jouer avec eux. Tac, regardez, on va prendre un os. Tac, allez chercher. Allez chercher. Il me ramène l'os et tout. Franchement, c'est trop bien et tout. Donc voilà, restez assis. Et papa revient. Non, je suis pas papa. Mais peut-être que je me demande si cette pièce-là, on va la décorer. Et on va. Maintenant, on va s'occuper de ces murs-là. Sincèrement. Les potes, il n'y a pas mieux que ça. Je pense. Vraiment, pour moi, c'est mon préféré, ce mur-là en bois. Dites-moi ce que vous pensez de la déco en commentaire. Vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit d'aimer. C'est comme vous voulez. De toute façon, c'est ma maison. C'est. Voilà, vous. Si vous aimez pas, c'est pas grave, vous en faites pas. Donc. Voilà. Est-ce que ça rend bien? J'ai juste envie de voir. En vrai, ça rend pas si mal. Ça va. En vrai, c'est pas moche. Non, en vrai, ça va, c'est bien. Pourquoi pas peut-être celui-là? Ça va bien ensemble avec le mur et tout. Donc je vais juste essayer d'en placer deux de loin. Et en vrai, on va essayer celui-là. On va essayer celui-là, on va pas se mentir. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 1200 vues, les amis, sur ma vidéo hélicoptère. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Ça a dépassé ma vidéo la plus populaire d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc franchement, ça me fait super plaisir. Moi, je vous fais des vidéos tous les jours. Enfin, j'essaie d'en faire tous les jours. Et vous me récompensez comme ça. Donc franchement, merci beaucoup en tout cas. Voilà. On va voir. Non, en vrai, l'autre était mieux, je trouve. L'autre était mieux. À moins que ça rende bien, vu que c'est clair. Mais franchement, je préfère cette couleur-là. Est-ce qu'on mettrait en bleu? Genre en bleu comme ça. Franchement, j'ai essayé de trouver une bonne idée. Donc je vais juste mettre ça et je vais l'imaginer sur tous les murs. On va essayer. On va essayer. Je vous promets pas que ça va rendre bien. Parce que ma couleur préférée, c'est le bleu. Le bleu clair. Mais ça, c'est pas du bleu clair, mais j'aime bien aussi le bleu comme ça. Mais en vrai, c'est beau. Tac. On va voir. Je vais juste faire les deux là encore. On va mettre celui-là. Les potes, on va mettre celui-là. Mais franchement, celui que j'ai le mieux aimé, c'était celui-là. Franchement, sincèrement. Si je devais choisir une couleur entre les trois, c'était celle-là. Et je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Enfin, que je pourrais. Enfin, sincèrement, j'aime bien celle-là. Tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Bim. Donc franchement, merci beaucoup pour tout. En tout cas, si vous voulez rejoindre mon Discord, j'adore parler avec vous. Donc franchement, merci à tous ceux qui rejoignent le Discord. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de personnes qui le rejoignent. Et si vous voulez me faire un petit don sans payer, vous pouvez rejoindre le lien AdFocus pour, on va dire, me faire plaisir et tout. Et en vrai, ça rend super beau. Comme ça et tout, franchement, ça donne super beau. Voilà.
On va aller voir pour la chambre de Manon Looping et son fils, et leur fils, donc on va aller voir. Mais je pense qu'on va laisser blanc déjà qu'elle est assez petite et tout. On va laisser en blanc, puis c'est pas très mal des pièces en blanc des fois. Mais tant qu'il n'y en a pas trop, parce que moi j'aime pas quand toutes les pièces sont blanches. À l'étage en vrai, ça fait... Franchement, on va pas se mentir, tout blanc comme ça fait vraiment... on dirait elle est pas aménagée la maison. En plus, c'est du quartz donc... J'aurais pensé à un gris. Peut-être... Et en vrai, ce gris-là n'empêche qu'il est vraiment beau. Je sais pas pour vous, mais franchement, il est pas si mal que ça. Donc, pourquoi pas en vrai faire les murs comme ça. Par contre, c'est déjà petit. Là, ce sera deux pour passer. On va falloir trouver une solution. Je vais essayer pour voir si c'est possible de passer malgré qu'il n'y en a que deux. Je vais essayer. Et en vrai, ça va. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il y en a un peu. On va essayer. On va essayer d'abord. Il y aura sûrement une partie 2 parce que c'est vraiment... ça prend du temps. Donc on va essayer comme ça. Voilà, je vous promets pas que ça va rendre bien vu que c'est tout petit. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ma chambre, du coup, on va la repeindre sûrement vu qu'elle est blanche. Ah mais ouais, elle est toute blanche, mais en vrai, ça cloche pas trop. Donc on va voir si ça cloche. Je vais juste terminer ce mur-là. Voilà. Donc je vais voir. En vrai, ça va. En vrai, ça va, ça passe. Sincèrement, c'est pas trop petit. Ça va, j'aime bien. Je trouve que c'est correct. Qu'il y a assez d'espace pour passer. Et que c'est envisageable. Du coup, on va mettre ça. Let's go. Faudra voir pour cet espace parce que je suis pas sûr là que ça rentre bien. Donc on verra bien. On verra bien. Tac. On va du coup enlever le radiateur. Poutou, voilà. Et on le remettra par la suite. Ça, on va le déplacer. TC. Du coup, c'est... On le remettra plus tard. On le remettra plus tard. Tac, tac, tac. Est-ce que ça rend bien? Et en vrai, ça rend super bien, je trouve. Le gris clair comme ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Mais franchement, ça rend trop bien, je trouve. Sincèrement. Par contre, là, ça va être... Ouais, bon, c'est pas grave, on trouvera un truc. On trouvera un truc. Tac, tac, tac. Tac, voilà, on le remettra par la suite aussi. Tac. Tac, tac, voilà. La plante là, on va la déplacer là. Donc on verra pour plus tard plutôt. Il est temps de charbonner. Il est temps de travailler. Franchement, en vrai, ouais, ça rend trop bien, je trouve. Le canapé, là, on va le mettre là. Il y a 6 ou 7 ou 8 mois, j'avais déjà fait une vidéo comme ça où je repeignais les murs de ma maison. On était dans la map de Paris, dans l'autre vidéo. Et franchement, ça rend vraiment trop bien, le deuxième étage. Franchement, j'adore le deuxième étage. Donc, ma chambre, on va la laisser en... Je pense qu'on va la laisser comme ça. Elle est pas moche comme ça, je trouve. Pour la salle de sport, on verra. On va aller voir quand même. En vrai, la salle de sport, on peut la laisser en blanc. Si ça cloche pas trop, si on a parfois en blanc. La salle de bain, peut-être qu'on va la peindre vu qu'il y a tous les meubles sont blancs, la douche, les toilettes, un peu tout. Quand c'est trop blanc, ça me convient pas trop. Donc, la salle de bain, elle est déjà petite. Faudra repeindre ma chambre du coup. Ah, mais ouais, je vois. Et franchement, je vais essayer de trouver un truc. Si on peut peut-être peindre mon mur. En gris comme ça. On va essayer. Ça va rendre bien. On va essayer quand même. Ah mais oui, mais ça se verra de l'extérieur du coup. Mais en vrai, ça rend pas moche. On verra pour plus tard. On fera sûrement la partie 2. Mais franchement, en entendant, je trouve que mon mur gris comme ça rend super bien. Et de la salle de bain aussi, je trouve que ça rend bien. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... On va prendre la salle de bain, le mur de l'autre côté aussi. Ça se verra de l'autre côté, mais ce sera pas moche, je pense, parce que le gris, ça rend vraiment bien pour tout. Tac. Parce que sinon, si on met des 2-3 murs, ça rend... C'est épais, très gros et tout. Tac, tac. Voilà. On peint tout. Et en vrai, ça rend pas mal. Franchement, ça rend très très bien. On a juste l'impression d'être un peu serré, vu que les murs, ils sont foncés.
Et franchement, le mur gris comme ça, là, ça casse un peu l'ambiance du blanc. Et j'aime bien, parce que j'aime pas les maisons trop blanches. Je pense qu'on fera le reste dans la partie 2. En tout cas, les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. Si vous voulez rejoindre mon Discord, j'adore parler avec vous. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!